Allez, ballon parfaitement glissé là. Jusqu'à Bastien Vautier qui vient marquer ses deux premiers points de la partie. Le passe encore intercepté. On va tenter un long alley-oop. Bon retour défensif de David Dileo, malheureusement, qui ne peut pas empêcher. Il est servi ici, passe rapide à l'intérieur vers Bastien Vautier. Les interceptions qui se multiplient. Ah, le ballon est récupéré finalement. Belle abnégation de Bastien Vautier. Le tir à 3 points derrière en fin de possession. Cœur. Ah, la super passe à terre. Et Daniel Akin qui passe entre les deux défenseurs. Derrière, il est un peu en retard. Fleming. Ah, Bastien Vautier, là, il était prêt à prendre ce shoot sur son spot. 4 minutes avant la pause au Rhenus. Maxouni. Et le flotteur parfaitement lâché. Se rapproche. On fait le boost après contact, pas de faute. Nazir Brooks, ce qui va retourner. Face à Gresham. Et cette fois, il marque. Parce que le Portel a une opportunité de faire un break intéressant juste avant la pause. Février joue son 1 contre 1. Paul Lacombe chercher une passe dans un trop petit périmètre. Akin qui vient poser son écran. Cœur. Oh, la bonne passe à terre encore une fois pour Dalakin qui récupère le ballon en deux temps. Troisième passe décisive pour Quinton Hooker. Ah, Vautier, c'est une machine. La saison dernière, toujours en probé à Lille. Il mettait quasiment les mêmes stats que cette saison. Hein. Il n'y a vraiment pas eu de soucis là pour passer à l'étage supérieur. Il va laisser des trous certainement. Il va falloir avoir un peu de chance, voilà, pour pas prendre ce genre de choses. Robert Turner. Ballon intercepté, récupéré finalement. Il y a un 2 contre 2, la bonne défense, le coup de sifflet arrive tardivement. Paul Lacombe va chercher l'up show. Filbous qui continue. Comment il a réussi à trouver Quinton Hooker pour le tir à 3 points. La passe désespérée. Le rebond, Paul Lacombe. Oh là là, c'est allé vite. Et voilà, bien sûr, Paul Lacombe. Il y aura donc deux lancers francs. Bon, possession derrière. Allez. Filbous. Encore et toujours, Filbous, c'est difficile, très difficile. Mais rien n'est difficile en ce moment au niveau basket pour Filbous. Le ballon pour Filbous. C'est un ballon pour égaliser. Et pourquoi pas passer devant en 4 tirs à 3 points. Bien présenté, Junior et tout avec le plexi. Les 4 dernières minutes du match. 2 points d'écart. On ne pouvait pas demander un meilleur scénario au Rhenus. Encore une passe à terre pour Monsieur 100%. La puissance d'Anakin et tout le monde. Quinton Hooker, la superbe passe. Daniel Akin, le panier plus la faute. Qui atteint la barre des 20 points. Pour la première fois de sa carrière dans un match de Betclic Elite, on se bat derrière. Le ballon a récupéré, oui, pour se faire plaisir jusqu'au bout. Le alley-oop pour Daniel Akin. Quel scénario de folie. On voit ce alley-oop. Non, il n'y aura pas de dernier tir, c'est terminé. C'est terminé et c'est Strasbourg qui vient mettre fin à la série de victoires du Portel grâce à une deuxième mi-temps.